L'activité du cabinet, elle est directement imputée à un réseau de correspondants qui sont des omnipraticiens qui nous adressent des patients pour faire un certain travail. Il est très important pour nous d'avoir une idée de l'activité d'envoi des patients de la part des correspondants. En fait, Mathis arrive à gérer pour chaque patient, on sait exactement de la part de qui ils viennent. Et après, il y a une gestion très, très fine de l'activité de chaque correspondant. Du coup, pour nous, c'est vraiment très important. À partir du moment où on a, nous, une échéance à peu près 3 mois entre les rendez-vous de consultation et les rendez-vous de chirurgie, on peut arriver à faire une extrapolation sur un peu plus longtemps pour pouvoir avoir une idée d'un prévisionnel sur 6 mois, voire un an, grâce à Mathis. Ça fait 5 ans qu'on utilise Mathis et on est très content de l'évolution parce qu'il y a vraiment un suivi, un développement. Ça, c'est important pour le cabinet. Et à chaque fois qu'on appelle la hotline de Mathis, on a toujours quelqu'un au téléphone. Il y a même des gens qui sont déplacés quand on a eu des problèmes au début et ça s'est très bien passé. Tout à fait, c'est d'une simplicité sur le téléphone, on peut arriver à avoir le programme opératoire des semaines et des mois futurs. Donc c'est important de pouvoir avoir cette vue au niveau d'un téléphone qu'on a tout le temps sur soi pour reconnaître les programmes opératoires futurs. Alors c'est très simple. Mon associé est arrivé il y a 3 ans et demi. Depuis 3 ans et demi, on a quasiment doublé le chiffre du cabinet. Donc ça c'est pas essentiellement à cause de Mathis, mais en grande partie à cause de Mathis. Au niveau de la gestion du cabinet, la gestion des correspondants, etc. L'autre élément important sur l'application qu'on a sur le téléphone, hormis l'agenda, c'est les tableaux de bord avec toutes les statistiques et la partie qui est déjà passée et la partie future de notre activité. Et ça permet d'améliorer grandement le pilotage de notre activité.